Bienvenue à la première épisode de la série Digicel Entrepreneur de l'année avec nos finalistes nationaux. Au cours des 6 prochaines semaines, nous allons rencontrer les finalistes de partout à travers Haïti dans 6 différentes catégories qui sont en lice pour devenir le Digicel Entrepreneur de l'année 2013. Avec plus de 300 inscrits, 96 ont été sélectionnés pour les finales régionales dans 6 catégories émergentes, agriculture et environnement, construction, éducation, tourisme et culture, industrie et services. De ces 96, 24 ont été sélectionnés par notre jury pour devenir candidat à la 4e édition Digicel Entrepreneur de l'année. La série Digicel Entrepreneur de l'année ne serait pas possible sans le soutien de la communauté des affaires. Nous tenons à remercier EIC, Camtel, Cemex, Groupe Kohl's, Groupe Jean Vorbe et la Fondation Clinton. Ces organisations établies connaissent l'importance du développement et la croissance de l'entrepreneuriat dans toutes les tailles d'entreprise pour la force économique. Permettez-moi de vous présenter la EIC, sponsor de la catégorie émergente. Aujourd'hui, EIC, c'est 102 000 clients, 109 employés, un chiffre d'affaires de 14 millions de dollars US. À travers nos produits et services, nous protégeons la richesse qui est en train de créer par les entrepreneurs de manière à ce qu'elles soient capables de faire face aux différents chocs et continuer vers un développement durable. Le plus important derrière le commerce, le plus important derrière une entreprise, ce sont les hommes et les femmes, c'est le capital humain. Donc, il faut s'investir dans le capital humain de manière à être capable de transcender dans le temps. Il faut s'assurer de la régénération du capital humain. Et ceci, on le fait à travers la formation, on le fait à travers le leadership et on le fait à travers la capacité pour les employés de mettre à plein potentiel leur capacité. Donc il faut s'investir dans son capital humain de manière à ce qu'elle soit capable de s'adapter au changement du marché, au changement de la technologie, au changement de tout ça. La catégorie émergente est pour les jeunes entreprises ou les entreprises qui poussent dans de nouveaux territoires, jusque-là inexplorés, que ce soit dans le type de produits qu'elles offrent ou qu'elles implantent dans de nouvelles zones géographiques. Ces entreprises sont l'avenir de l'économie haïtienne et les entrepreneurs derrière elles sont un témoignage de l'esprit d'entreprise haïtienne. Chocolat. Juste le mot évoque des pensées de plaisir. Mais la réalité pour les quelques 20 000 agriculteurs en Haïti impliqués dans la production de cacao est très différente. Yvon Yacette Faustin de Valu vit une double opportunité. Un moyen de fournir un revenu plus durable à ses agriculteurs et simultanément réduire la dépendance d'Haïti aux importations étrangères. Dans ce processus, il a créé un nouveau produit appelé Chocolat de la montagne. Moi, c'est directeur général CIFORCE, qui est le centre d'études, de formation et de réhabilitation sociale. CIFORCE, c'est un film que j'ai créé en 2008, après que j'ai fait une étude en développement local en France. J'ai fait un master en ingénierie de projet de coopération et en développement local. Et après, pour retourner installé en Haïti, projet de repositionnement, c'était essayer un bureau d'études qui pourrait permettre d'appuyer toute l'autre organisation qui me travaille avec eux avant et travaille sous filière cacao dans plein du nord avec une coopérative qui est basée dans le nord qui relève FECANO. FECANO, c'est Fédération des coopératives cacaoyères du nord. Être éveillé pour saisir les opportunités est un atout, mais être courageux pour surmonter les défis est impératif. En Haïti, tous les 14 février, tout le monde a couru, tué de tué, il a cherché chocolat pour les amis, pour les ménages, pour les maris, etc. Et il m'a dit, mais pour qui ça tout? Avec mon cacao, ça m'a fait Haïti Saint-Goutel, m'a développé, ça m'a relayé, une tablette de chocolat. Et comme ça, j'ai allé plein du nord, j'ai acheté 25 livres de cacao. Je suis venu ici pour faire une tablette là. J'ai eu un lot de cacao de 3 tonnes
Tu as 3 tonnes de cacao. Je me demandais de mettre quitter pour moi puisque mon yo content donc m'a pas acheté. C'est une idée fou. C'était fou de dire et même m'a pas acheté les 3 tonnes de cacao pour me venir faire tablette de chocolat. Donc malheureusement, une des plus grosses difficultés qui était gain c'est que tout premier contrat, mon premier initiative moi. Donc tout était fauché par tremblement de terre. À fin du mois d'octobre, il y a choléra qui vient commencer. Et étant donné que je suis basé sur place, bala, etc., je n'ai pas fini de streamer, que j'ai toute infrastructure, j'ai tout matériel nécessaire pour que je sois capable de faire des produits de qualité, que je sois capable de faire des certitudes, que je sois capable de vendre mon nez. Par contre, qui mauvaise manipulation pendant que je suis capable de faire soleil, et je décide, et même mon cher, de me camper. Pour un entrepreneur, il est très important de promouvoir sa communauté, son pays et l'humanité. Et bien, tout cacao, toute présentation, chocolat, dans le pays, dans les paysans, et bien, c'est dans les bananes qui ont présenté. Et pour qui ça, moi-même, oublié de chercher un plastique, chercher l'autre bagaille, et je devais mettre le cacao dans les feuilles bananes, et bien, certainement, tout le monde a acheté, et puis tout le monde est très content. Je suis fait produire ça, qui c'est un boule chocolat, et bien, il faut que le chocolat ait un nom. Et à ce moment-là, nous décidons que, puisque Value n'a fait promotion de la montagne, nous fait promotion, nous fait congrès de la montagne, nous fait foire de la montagne, ça c'est au niveau APV. Et même, quand il y a un moment dit, eh bien, on fait ça net. Moi-même, personnellement, je dis, m'a développé, m'a bail non commercial chocolat de la montagne. On a essayé de développer moi pour essayer de travailler avec l'université, avec des laboratoires, pour que je sois capable de sortir pâte de la montagne. Et puis, on a travaillé avec paysans, avec d'autres monde pour mettre café de la montagne. Donc, c'est tout comme ça. Et pour Dieu, on est entré sur nous. Nourrir sa vision afin qu'elle grandisse. Un principe qu'Yvon a compris et l'applique lui-même. Pas faire un petit business et essayer de mettre l'entreprise là en statut juridique qui permettent que d'autres monde capable venir investir et il a agi question ça donc permettre que une vraie entreprise qui travaille qui crée des valeurs qui crée travail pour monde et qui permettent que nous-mêmes nous capable vivre de ça. Moi besoin créer des opportunités économiques pour moi-même pour que moi pas dépendre vraiment de un emploi en des non institutions parce que tout le monde qui va travailler c'est qui gon jour était chita créer travail. Et aussi, ça permet de créer un emploi pour une quantité de municipes et que qui ont tout le temps qui va faire. La diversité d'Haïti crée de nouveaux défis. Mais trop souvent, les défis viennent avec des opportunités. La découverte de ces possibilités est au cœur de l'esprit d'entreprise. Quand nous reviendrons, nous allons rencontrer Stéphanie Lui de Fort Liberté et découvrir comment un besoin identifié a conduit à une entreprise florissante. Nous serons de retour dans un instant sur Digicel Entrepreneur de l'année. Avec Internet Digicel sous clé USB ou, business ou marche plus bien. Internet, moi, c'est Digicel. Sous téléphone, ou ka konnen tout résultat match équipe ou pire men yo. Internet, moi, c'est Digicel, moi. En tant qu'élève, avec clé USB Digicel là, ou ka fait toute qualité recherche. Internet, moi, c'est Digicel, moi. Et puis, avec téléphone, sous Internet Digicel, ou ka gen toutes dernières nouvelles sur Facebook et Twitter. Internet, moi, c'est Digicel, moi. Digicel gen plein qui commence à partir de 8 gouttes par jour. Fais étoile 252 dièse pour plus d'informations. Haïti. 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 Pour tes battements que nous. Yon kore lot la vi kapitel. Talan nou se nan san liye. Paske mse atis natif natal. Se pou yet nou ki kapay chanjman. Eswa pey sa pap jan peri. Riches nou se lan pep nou. On a tiré yo. À la AIC, notre richesse, c'est notre peuple.
rassurons notre peuple. Bienvenue à Digicel, entrepreneur de l'année. Ce soir, nous rencontrons des gens d'affaires de partout en Haïti qui ont une nouvelle idée, une nouvelle vision et qui l'utilisent pour créer une entreprise. Prenons le temps de remercier nos sponsors pour avoir rendu possible cette série. AIC, Camtel, Cemex, Groupe Kohl's, Groupe Jean Vorbe et la Fondation Clinton. Et bien sûr, nos commanditaires médiatiques, Radio Télé Guinée, Radio Télévision Nationale d'Haïti et Le Nouvelliste. Parfois, les possibilités semblent presque évidentes. Et une fois que l'entreprise démarre, nous nous trouvons à nous demander pourquoi personne n'avait pensé à cela. Cependant, les réponses ne sont jamais si simples. Et le démarrage d'une entreprise n'est jamais aussi simple qu'il paraît. Stéphanie, lui, s'est rendu compte que quelque chose manquait à Fort Liberté. Quelque chose d'aussi simple que du pain. De là, la prochaine étape était évidente. Ouvrir une boulangerie. Mais il y avait de nombreux défis sur le chemin. Avant, quel que soit mon qui fait de Fort Liberté, tu es obligé de déplacer à l'histoire en République Dominicaine ou au Cap Haïtien si tu as besoin d'un bon pain ou quoi que ce soit. Puis, grosse difficulté que nous avons rencontrée, c'était joindre d'abord matériel pour nous lancer. Pour nous fonctionner normalement, il y a certains ingrédients que nous obligé de traverser en République Dominicaine, malheureusement acheter, et d'autres à Port-au-Prince. Maintenir une entreprise n'est jamais facile. Il faut toujours rester ouvert aux suggestions. Nous arrangeons avec aide de la famille et puis certains amis aussi. Heureusement, nous joignons à notre population hein, qui est très satisfaite. Donc, qui aide nous tous et avancer, qui fait que nous avons un succès que nous avons aujourd'hui. Hein. Souvent, il y a une commande d'Arabonne, surtout les périodes de fête que vous avez à Arabonne. Il y aurait même pâtisserie que nous faisons ici. Hein. Pour Stéphanie, il est très important de rester proche de sa communauté et surtout de l'aider. Bon, on participe dans différentes activités, surtout la fête patronale, et puis aller visiter. Prisonniers, pauvres, pour des assistants. C'est juste au cap. On est obligé de rentrer pour mal prendre un petit tranche de gâteau, un petit peu de patate, parce que madame aime ça. Donc, avec la mère qui est là, donc, on est déplacé pour aller jusqu'au cap, pour mal derrière, on bien on pain et tranché. Donc, avec la mère qui est prête, on est obligé de déplacer, aller au cap pour mal acheter ça me vient besoin. Mais dit que c'est un monde qui a fait un bon travail dans la communauté. Hein, parce que la communauté a des besoins de ça. Et c'est un bon entrepreneur, donc c'est dévoué à ça qu'il a fait. Hein. Pour être un bon entrepreneur, il faut avoir de la vision et de la sérénité, des principes que Stéphanie a compris. Puis, bon conseil que je recevais dans faire business, c'est surtout des gens de la communauté qui toujours dit, quelle que soit la difficulté, non avec vous. Et n'avez d'eau et avancer, pas jamais baisser les bras. L'homme banal avec boulangerie, moi souvent aller à la mer, qui aide à me relaxer un peu et avoir d'autres idées. Quoi. Après la belle boulangerie, moi j'ai une idée de market pour Fort Liberté parce que c'est vraiment une nécessité. Il y a des gens qui sont naturellement curieux. Le type de personnes qui cherchent à peu près n'importe quoi et à se demander comment ça marche ou pourquoi ça marche comme ça. Jeannot est certainement l'une de ces personnes, ce qui le poussa à créer une entreprise pour donner des conseils d'affaires. Qu'est-ce qui fait bouger une entreprise? Qu'est-ce qui la rend efficace? Et surtout, qu'est-ce qui fait son succès? En s'associant avec un ami étudiant, Noah a décidé d'ouvrir Essi Conseil pour fournir des réponses à ce type de questions et servir la communauté des affaires de la région de Saint-Marc. En tant qu'universitaire, j'ai rencontré un collègue, moi, Smith Antenor, ça fait des années à l'université. Nous avons décidé d'entendre nous pour nous dire qu'il faut nous faire quelque chose. Ou encore, faut nous contribuer, n'est-ce pas, au développement économique du pays. En termes de services, nous sommes une institution qui sont FIM, premièrement, de consultation. Et nous, ben, consultation avec les PME de Saint-Marc. Les services, c'est
service de comptabilité. Nous avons un service de gestion. Si l'entreprise a des problèmes de gestion, ou des problèmes, nous avons des consultations en gestion. Nous avons des consultations en économie aussi. Et pour les jeunes de 5 mois, nous avons mis un cybercafé, surtout pour les jeunes de l'école, surtout dans le centenaire là, pour au moins naviguer parce que nous avons un monde blanc résumé à l'Internet. Pour au moins, on peut raconter tout ce qui a passé, n'est-ce pas, en temps de lieu dans le monde. La formation continue est très importante pour garder une entreprise à jour. À ICI Conseil, Edison en a fait une priorité. Donc, on est que gérer l'entreprise, ça m'a dit, n'est-ce pas, vrai, et des notions bien spécifiques, parce que c'est une science. Et nous avons autour aussi des séminaires, et nous qui comptables, nous avons des séminaires de logiciels comptables, par exemple, QuickBooks, par exemple, et ACPAC, etc. D'accord, qui vous permettent au moins d'être plus sûr pour mieux gérer l'entreprise. Depuis que j'ai un petit temps libre, c'est recherche. Parce qu'il faut toujours innover. Parce que c'est l'innovation, n'est-ce pas, qui est une entreprise en vie. Parce que l'entreprise, là, sous qui est là, elle est comme ça, la preuve, on l'est, la preuve, on l'est, et puis là, c'est comme une courbe, la preuve, on l'est, il faut toujours innover. Je pense que l'innovation, n'est-ce pas, vrai, c'est faut toujours regarder ça, toujours regarder pour au moins être capable d'être une entreprise en vie. Et sans ça, l'entreprise, là, ça. La satisfaction des clients est toujours une bonne méthode pour évaluer son entreprise. Edison est fier de parler de sa liste de clients satisfaits. J'ai un client et Jacques Depot. C'est un client qui a un peu de respect parce que tout, parce que il y a un problème de gestion, il y a un problème de conseils, il y a un peu et il y a un peu de résultats. Depuis que j'ai commencé à travailler avec ici, nous avons moins de problèmes de GI. Et puis, ils ont fait des choses à temps, ils ont fait des rapports à temps. Parce que je me sens que monsieur ça est disponible, et puis c'est une équipe que vous avez. Ils ont toujours dit du choc des idées, déjà eu la lumière. Égal du fait que vous plusieurs, vous mettez ensemble, et puis vous dirigez nous dans le sens avec vous-même. Nous avons moins de problèmes, et puis vous avez nous et consignes dans la livraison, comment pour nous gérer les clients, comment tout pour les clients ne pas partir avec affaire nous. Et je pense que nous aider à diminuer le vol qui est dans l'entreprise. Restez positif, gardez la tête haute, se concentrer sur les objectifs et toujours innover. Pour Edison, ces principes définissent un entrepreneur. Entrepreneur est toujours positif. Il a toujours été positif. Parce qu'il y a deux bagages qui vont faire que vous êtes entrepreneur. Il faut gagner désirabilité, il faut gagner le désir et il faut gagner tout, il faut regarder est-ce que il y a faisabilité. Nous avons toujours pensé nous-mêmes, en tant qu'entrepreneur, d'accord, et l'argent c'est une idée. Si vous avez une idée, l'argent a venu. Ça m'a dit en pile effort pour faire, pour capable au moins, n'est-ce pas, avec un peu de on allait. Vous pensez que de vous motiver réellement et puis ou très positif, je pense que on va arriver, n'est-ce pas vrai, en tant qu'entrepreneur, n'est-ce pas vrai, arriver à un objectif. L'objectif d'une entreprise est de trouver des solutions et fournir aux clients des réponses à leurs besoins. Digicel est constamment à la recherche de produits nouveaux et innovants pour amener à sa clientèle. Quand nous reviendrons, nous allons rencontrer notre prochain entrepreneur, celui qui a trouvé une meilleure façon de fournir l'un des éléments les plus fondamentaux et plus importants encore, d'une manière qui permettra de protéger les générations futures. Nous serons de retour dans un instant sur Digicel Entrepreneur de l'année. Kounye an Digicel gon paket spesyal kap tombe sou minute ak internet chak jou. Se pati koze nou, li met tout telefòn epi tann SMS pa ou la. Kèkò! Wow! Ben chiki chen chen! Ak Digicel, kob ou gen plis vale. Le groupe Jean Vorbe est l'une des plus grandes entreprises à s'engager dans la reconstruction nationale. VEF Construction,
est le leader dans le domaine des travaux publics. VFM, la plus grande entreprise de matériaux de construction en Haïti. Sogener, la première entreprise privée de production d'énergie électrique en Haïti. Le groupe Jean Vorbe, la passion des grands défis. Haïti, 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 Haïti. Route battement que nous, une corée l'autre la vie capitale. Talent nous c'est l'incendie, parce que c'est artiste natif natal. C'est pour être nous qui capable changement. Et soit paysan, pas j'en péris. Richesse nous, c'est l'un peuple nous. On a tiré nous. À la AIC, notre richesse, c'est notre peuple. Assurons notre peuple. La série télévisée Digicel Entrepreneur de l'année donne une reconnaissance et une notoriété nationale à ceux qui ont travaillé sans relâche à une entreprise, à la création d'emplois et qui ont joué un rôle en aidant l'économie haïtienne à se développer. Parfois, quand l'idée vient, elle semble être une idée parfaite qui est profitable pour tous. Et si on vous disait qu'il y avait un produit qui était moins cher, plus efficace et plus écologique, trop beau pour être vrai, pas selon Alex Vildoin. L'idée de cadet dérapé de Moncel et de l'eau qui c'est en auberge. Côté nous avons utilisé bois pour faire barbecue qui était spécialité. Et nous voyons que si nous avons reboisé la zone ça qui était vide, il n'y a pas de faire sens pour nous utiliser charbon bois. Pour pas être trop cher pour nous, parce que c'était à peu près 15 à 20 000 personnes par an qui étaient montées. Donc c'est ainsi que nous venons que nous devons jouer notre alternatif. Et c'est ainsi que nous venons découvrir que nous avons fait des briquettes. Et si nous avons fait pour l'hôtel là, c'est ce que nous devons mettre à la disposition de la population qui fait naissance ici aujourd'hui. Bon, donc on est dans la coutume haïtienne, l'on dit un petit cadet, ça veut dire non, un quart d'heure, on fait tout à faire. Un quart d'heure, on sorti, un quart d'heure, on fait manger, et un quart d'heure, on fait pile bagaille. Un quart d'heure. Maintenant, on voit tout que ce cas des gens que nous écrit, nous jouons sous moi, parce qu'ils ont l'autre signification pour nous-mêmes. Nous relèvons tout, petit charbon de l'arcaïe. Parce que l'Arcaïs est un point stratégique et quand vous connaissez que l'Arcaïs est là que qui central, point central pour rentrer charbon de bois, surtout à Port-au-Prince. Et toute matière première, nous joignons dans la zone. Haïti est un terrain vierge, quelque chose qu'Alex comprend et dont il en profite le plus que possible. Matière première, là, nous collectons, parce que ça nous fait, nous assainissons des zones et des dépôts et tout. Et nous collectons. Et nous confectionnons une usine à côté, nous prenons matière première ça et nous transformons. Donc nous faisons tout un travail de retirer des débris, wash, clous, fer, qui pas supposé entrer dans la composition charbon. Hein. Cela là, nous avons tout le processus de calculation qui fait. Cela fait calculation hein, et puis après ça, l'aller dans partie dans la ligne de système de production qui rentre toute matière première pour bois, pour charbon et tout, qui mélange avec amidon, qui entre dans malaxeur. Li passé, là on l'autre malaxé encore et puis l'entrée dans briqueteuse qui lui-même qui compacté pâte là qui sorti avec forme briquette qu'on voit aujourd'hui. So, nous innover une idée côté nous pour un conteneur que nous level, c'est même système avec un four à gaz, du feu en bali et c'est là que nous rentrons nous sécher. Au-delà des avantages économiques, Alex est très conscient de l'environnement. Il souhaite un jour que Ticadé soit un produit écologique. Briquet Ticadé est un charbon qui coûte beaucoup moins cher que le charbon normal. Sous le rapport au prince, un sac charbon pays, un sac charbon bois, vend entre 120 dollars haïtiens, 600 gouttes jusqu'à 900 gouttes. Et bien, charbon par nous, c'est 450 gouttes pour le coûter, pour même quantité de charbon. Deuxième avantage économiquement que gagne, c'est que charbon noir, performance dure plus longtemps que charbon de bois. Donc, si un sac charbon bois est bon en semaine, l'on utilise Ticadé, la boîte de semaine. Et surtout, si vous utilisez le réchaud amélioré, côté la vie permet tout pour durer encore plus longtemps. M'observe le charbon Ticadé depuis juin 2012. Charbon Ticadé est un bon charbon. Parce que ça fait que ça, il va arrêter à lui-même. Parce que depuis lui-même, Ticadé, c'est lui-même.
Un bon entrepreneur doit être conscient des défis auxquels il doit faire face. Un principe qu'Alix a en tête. Pour moi, c'est changer mentalité et ça vient avec formation. Formation, c'est que nous-mêmes, nous déjà commencé à faire travail là, mais nous n'avons pas qu'à appui pour nous-mêmes. C'est vraiment former les gens, ce n'est pas seulement acheter des briquettes, c'est entraîner alternatif et faire conscientiser qui est important son pied bois gagner. Et nous avons l'autre nouveau concept que nous pouvons mettre, surtout pour les machines de manger cuite, qui sont dans la rue. Nous connaissons dans quelles conditions qu'ils travaillent. Donc nous pouvons entrer dans un système de franchise, côté nous pouvons permettre aux jeunes ont l'autre environnement pour qu'ils fassent manger dans la rue. Persévérance, pas jamais décourager. Et c'est surtout leur l'idée, c'est leur ça pour continuer. Ce soir, nous avons rencontré 4 personnes qui ont relevé le défi et travaillent dur pour rendre leur entreprise émergente à travers Haïti. Un de ces 4 va devenir le vainqueur de cette catégorie et avoir une chance de devenir Digicel Entrepreneur de l'année 2013. Mais ils sont tous des gagnants. Ils ont tous un rêve et ont saisi l'occasion. Nos sponsors se sont engagés à l'avenir d'Haïti, non seulement dans leur activité quotidienne, mais aussi en travaillant aux côtés de Digicel pour reconnaître certains des milliers d'entrepreneurs du pays qui tous œuvrent pour une meilleure et plus forte Haïti. Nous sommes une société d'assurance multiligne. Nous avons débuté nos opérations en 2001, donc nous célébrons le mois prochain nos 12 ans. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est important de le supporter parce que aujourd'hui, Haïti est vu comme un pays où est reconnu comme la capitale des ONG. Les ONG ne vont pas nous aider à aller vers un développement durable. L'entrepreneuriat responsable, donc qui prend en considération non seulement les aspects financiers, mais aussi un impact sur l'environnement et un impact sur l'aspect social. Donc aujourd'hui, soutenir l'entrepreneuriat, c'est fondamental pour nous. La catégorie émergente que nous sponsorisons au niveau de Digicel Entrepreneur de l'année est importante non seulement pour nous autres, mais pour le développement durable, ce qui lui permet d'avoir une plus grande part de marché et avoir les ressources nécessaires pour continuer ses recherches et développement et avoir un pas en plus que la compétition. C'est tout pour l'épisode de ce soir. Nous espérons que vous avez été inspiré par ces histoires et nous espérons que vous vous joindrez à nous la semaine prochaine lorsque nous vous présenterons les finalistes nationaux d'une autre catégorie. Nous remercions encore une fois nos partenaires de soutien, AIC, Camtel, Cemex, Groupe Kohl's, Groupe Jean Vorbe et la Fondation Clinton. Merci d'avoir suivi Digicel Entrepreneur de l'année et bonne soirée à tous.